Alors, le mot à prononcer d'entrée, c'est cadastre. Vous savez qu'on n'a pas le droit, pas seulement en Valais ou en Suisse, on n'a pas le droit de planter la vigne n'importe où. Il y a des zones prédestinées pour la vigne. Et là, une soixantaine de vignerons, en 1958, ont décidé de planter la vigne parce qu'ils avaient trop de tomates, trop de choux-fleurs, trop de carottes, trop de poiriers. Alors il y avait quand même une quarantaine d'hectares, ce qui fait 40 fois la place de la Planta. Ceux-là ont été sommés par Berne d'arracher eux-mêmes, autrement on envoyait l'armée, on envoyait la police. Alors c'est là que l'État a eu peur. L'État, on s'est dit, si on envoie l'armée, les paysans, les vignerons avaient décidé de sortir les fusils. Je savais que chaque bon Suisse a toujours son fusil chez lui. Alors là, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et le Conseil d'État a dit au commandant Schmitt, débrouillez-vous, il faut arracher cette vigne. Le commandant Schmitt, il dirigeait toute la police cantonale. Et il a eu cette idée qu'on a dit géniale et diabolique en même temps, c'est-à-dire d'équiper les hélicoptères des glaciers d'une espèce de déverseur de poison, des réservoirs sous les hélicoptères, et d'intervenir en pleine nuit à 2h du matin. Et c'est ce qui a été fait. Techniquement, il y a quelqu'un qui a dit, mais il y a des hélicoptères en Afrique pour défricher ou pour sulfater certaines régions. Et il y a des hélicoptères qui sont équipés d'arroseurs. Alors on va équiper des hélicoptères d'arroseurs, l'hélicoptère surtout du célèbre Hermann Geiger, du célèbre Fernand Martinoni, c'est les deux meilleurs pilotes qu'il y a en Suisse, suffit qu'ils acceptent et puis on y va. Alors Martinoni a accepté, mais Geiger voulait pas, ça, il sentait que ça allait mal tourner. Cette histoire ne me dit rien de bon, Hermann Geiger. Et puis on l'a sommé d'accepter, il a été obligé finalement d'accepter. Alors les vignerons, ils ont mis longtemps, 2 heures peut-être avant de savoir, parce qu'il n'y a personne qui dormait dans cette région. Les hélicoptères sont arrivés à 2h du matin. Alors ici, il n'y a pas eu de coup de feu parce que les vignerons sont arrivés, c'était déjà fini. Les hélicoptères étaient partis. Les journalistes en arrivant, on était reçus à coups de cailloux. Les hélicoptères étaient déjà à Saxon. Alors à Saxon, ils sont arrivés vers 4h du matin et là, il y a eu des coups de feu. Et la fameuse Angeline Rosset, qui a sorti le fusil de ses fils, puis qui a tiré sur les hélicoptères. Les coups de feu n'ont pas été directement tirés sur les pilotes, ils ont été tirés sous l'hélicoptère. Il y avait le champion de tir de Suisse, champion, qui était là, Michel Morin, qui a tiré. Il a dit, j'aurais pu tuer Geiger comme je voulais. Il était à quelques mètres de moi, mais j'ai visé sous l'hélicoptère. La Pravda en a parlé, ce pays en Suisse, quelque part. Il y a une région où le gouvernement fait détruire les vignes, mais c'était le pire crime du capitalisme. Et puis le Figaro, en première page du Figaro, mais toute la presse en a parlé, l'Oblic avait demandé de boycotter les vins valaisans. L'opinion générale du valaisan, c'est qu'il donnait tort quand même aux vignerons, parce qu'il y en avait quand même une partie qui avait observé la loi. Quand ils ont reçu l'ordre d'arracher la vigne, il y a quand même une vingtaine de vignerons qui ont accepté d'arracher la vigne. Alors c'était injuste vis-à-vis de ceux qui avaient arraché. Ça s'appelle les vignes maudites, oui, c'était les vignerons maudits, les vignes maudites à cause du crime entre parenthèses qu'il y avait là derrière.